En Russie, Vladimir Poutine s'est adressé lui au Parlement et il en a profité pour vanter les nouvelles armes de haute technologie de son pays, images de synthèse et vidéos à l'appui. Le président a vanté des armes qu'il dit invincibles, hypersoniques et aussi, sous-marines. Une annonce retentissante et inquiétante. Écoutez plutôt. La Russie reste la première puissance nucléaire au monde. Mais non, personne n'a voulu nous parler de façon constructive. Personne n'a voulu nous écouter. Maintenant, vous allez nous écouter.